Tiens, tu peux bloguer s'il te plaît. Ah oh non, là t'as fait un plan moche. Hein. Mais pourquoi? Arrête-toi. Vas-y, prends la. Commence à bloguer. Et monsieur n'a pas envie de vlogger, du coup c'est non, moi c'est pas qui... ça. Je laisse vlogger. Ok, bon. Tu commences à vlogger, après je reprends. Voilà, je commence à vlogger, donc c'est moi qui vais vlogger aujourd'hui. Faut savoir qu'elle a déjà fait un vlog entièrement d'une journée, sauf qu'elle a mis le doigt ici moi, en fait. Ouais, là. Elle a passé une journée comme ça. Voilà. Du coup là, j'essaye de le tenir comme je peux. Pour vous expliquer, il fait à peu près 7 degrés et je suis habillée comme ça. C'est génial. Je ne sais pas. Là on est à Camden, donc du coup c'est un endroit assez, je sais pas comment dire, assez street, il y a plein de petits magasins, tout ça. Et hier avec les Anglais avec qui on était, ils nous ont dit comme quoi... Attends, mais j'ai fait 8 ans de froid. Ils nous ont dit comme quoi les Anglais ici n'aimaient pas trop qu'on filme en fait, je sais pas pourquoi. On verra bien, je sais pas si je pourrais filmer ou pas. On va chiller un petit peu ici, et après on va bouger à un endroit assez cool de Londres. Ne sache pas. Si c'est moche. Ouais, c'est moche. C'est extrêmement moche. C'est cool ici. Sympa. Je pense qu'il y a un truc de malade à manger là. Hein? C'est dans l'air tranquille. 50. C'est 5,50 pour un chien. Est-ce que vous avez vu comment c'est incroyable, comment beau déjà. Alors ah là 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 là. Alors en fait quand je vous explique, genre là j'étais persuadée qu'il avait de la maillot et vous allez voir ce que c'est. Donc là voilà la fameuse maillot, sauf qu'au final je me suis fait chier dessus par un putain de pigeon. Il vient de se faire chier dessus. Es-tu heureux? Je suis content là. On va chier sur la Sandro. Un pigeon va chier sur la putain de Sandro, bordel. Je te rappelle que de base tu devais filmer toi. Ouais. L'endroit est juste incroyable les gens. Juste ouf. Genre il y a de bon Jay, c'est blindé de monde. Il y a de ces magasins. Je savais même pas que ça pouvait exister. Des trucs de malade, des trucs de... Ouais, faut que vous voyez ça, enfin, faut que vous veniez parce que sinon je peux pas expliquer. Donc c'est un peu compliqué de filmer ici, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à faire, à regarder. Du coup je pense pas forcément à faire des plans sympas. J'essaierai de faire un truc au montage, trouver une petite parade. Et ouais, l'endroit est assez cool et vraiment énorme quoi. C'est vraiment énorme, juste. Genre en termes de grandeur. Non, we're soggy. De
Fucking shit les gars, putain. Abusé. Abusé. L'endroit est abusé. Genre je peux pas décrire, c'est impossible. L'endroit où genre tu sais que les gens viennent ici, ils sont pas légaux dans leur tête. Chelou, il y a un sèche-cheveux en dessous. What the fuck, j'ai jamais vu des trucs aussi gros. J'y dirais pas quoi, mais des trucs énormes. Long comme mon bras. On est sorti du quartier. Un peu chelou, mais cool. Maintenant on rentre. Et on va à un truc totalement différent, qui a rien à voir. Qui a strictement rien à voir. Allez. Ouais, attends. Bon, voilà, on a quitté cet endroit un peu chelou. Et maintenant, on est en fait à Notting Hill. Notting, je sais plus. C'est joli, c'est un bel endroit. Le fameux endroit où il y a tous les Instagrammeurs, tous les blogueurs qui se prennent en photo, qui prennent des photos avec les maisons. Ils ont des couleurs différentes. Donc, on vient ici également faire 2-3 photos. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est cool. Vous avez vu comme c'est cool? À l'anglaise. Bon, de toute façon, là, je suis carrément chez les gens. Numéro 15, je suis désolé, mais. Et oui, je suis désolé, ça a coupé. Il n'y a plus de batterie. Et t'es toujours pas à l'aise dans la caméra? Non. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai d'ailleurs. Je sais pas encore. Je sais pas. De toute façon, il reste encore 3 mois ici. Hein? 3 mois? Ouais. Du coup, ben, je verrai. Je verrai quand est-ce que je pourrai me redéplacer à Londres. Quand même 18h29. 28, 29. Et je suis éclaté. Je suis mort. Il y a plein de télé. On est le lendemain en fait. Non, touche pas, faut toucher. On est le lendemain et en fait, le truc c'est que. Hier, on s'est endormi et. Hier, j'ai pas fini le log, on s'est endormi. Trop fatigué, la journée était un peu trop intense. Donc, du coup, je reprends aujourd'hui. Voilà, on finit doucement aujourd'hui. On est dimanche, on se balade, on a fait le magasin. Là, on a mangé au chinois. Ça va aller. Et je disais qu'en fait, on est ici pour chercher une rue. Une rue qui est colorée, qui a plein de couleurs, histoire de clôturer ce petit séjour à Londres, histoire de sortir un petit peu et après on va rentrer tranquillement. Et après il faut que je parle d'un truc. C'est coloré. On va aller plus loin dans la rue pour voir à quoi ça ressemble. C'est cool, tout le monde prend la photo, ça fait un petit endroit. Fermé de tout. C'est joli. Ah, c'est petit en fait. C'est fini. Voilà. Ah, c'est cool, comment de regarder. Bon, tout d'abord, je voulais m'excuser des plans un peu flous des vlogs. En fait, j'étais en manuel focus. Et j'utilisais pas le... Bref, on s'en fout. On est rentré et il fallait que je vous parle d'un truc. Est-ce que vous vous rappelez de mon pote Elliot? Elliot le corps. Vous savez, mon pote à Paris qui m'héberge quand je vais à Paris. Il a créé son site et c'est assez cool et je voulais vous le partager. Depuis qu'on a quitté la GH, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse maison dans laquelle on a tous vécu, Anil, tout ça, Isp, Sidar, peut-être qu'il y en a qui connaissent, bref. On était plein de potes, on a vécu pendant un an dedans. Et depuis qu'on a quitté cette maison et qu'on s'est un peu tous reconvertis, chacun de notre côté, Elliot a choisi de voyager en fait. Et depuis peu, il est parti un peu partout dans le monde, notamment à Bali, un peu partout en Europe. Et il propose 2-3 trucs qui sont assez cool et je voulais vous le partager. Donc ça, déjà, j'aime beaucoup, c'est vraiment très cool. Et également cette page. Celle-ci que j'aime beaucoup, qui est très bien trouvée, je trouve. Donc, je vous en dis pas plus. Allez voir de vous-même. Je mets le lien dans la description juste en dessous. Donc, franchement, il a un très bon concept. C'est écrit ici, je crois, d'ailleurs. Ou
quelque part d'autre, allez jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le détour, franchement. Voilà, ça vaut le détour, allez-y. Avant de commencer, je voulais vous dire, voilà, si je suis rouge actuellement, c'est parce que le mur est rouge, comme ça, et comme le truc là-bas. Bref, on s'en fout. Donc voilà, écoutez, ça me fait plaisir de vous partager ce petit blog de mon pote. J'aime beaucoup m'entourer des gens qui créent, qui ont des initiatives, qui veulent avancer. Et voilà, c'est un bon projet, je trouve. C'est bien fait. Donc du coup, voilà, je vous le partage. Si quelqu'un est intéressé, bah, pourquoi pas, ça me ferait plaisir par rapport à ce qu'il propose. Voilà, donc je vous le mets en avant. Si vous voulez faire un tour, allez-y. Voilà, du coup, c'était une super journée avec Manon. C'était cool. Camden, c'est chelou, mais c'est cool. Franchement, il faut aller le faire. S'il y a des gens à Londres, allez-y. Faut pas hésiter. À la base, Manon devait vlogger toute la journée, mais au final, bon, elle m'a redonné la caméra. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu n'as pas l'habitude de vlogger, de tenir une journée, de savoir ce qu'il faut prendre comme plan, ce qu'il faut filmer, ce qu'il faut pas filmer, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut dire. Bref, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, je n'en veux pas, c'est normal, j'ai repris la caméra. Donc écoutez, je vous donne, je vous dis, pourquoi je vous donnerai? Ouais, bah écoutez, ouais, je vous donne une bonne journée. Voilà. Pourquoi pas? Allez, salut. Ouais, je fais pas, je mets bien un pied par terre. Et tu l'étends sur ta gueule.